tous, ici le joueur gamer. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bob l'éponge sur le PlayStation 2, épisode 4, la deuxième suite. Donc, comme vous le savez, j'ai perdu trois fois tout à l'heure, hier plutôt, quand j'ai joué. Donc là, on reprend. Donc là, je monte, hop, tac, je fous des coups de poing. Voilà, voilà, je saute. J'espère que ça va pas se retourner. Voilà, donc il y a une pièce là-bas, comme vous pouvez le voir sur vos écrans. Donc là, hop, il y a encore les méchants. Bah, les méchants sont revenus. Hein, vu que. Même si j'ai fait le jeu de Bob l'éponge. Enfin, de Bob l'éponge, ouais, c'est ça, le jeu de Bob l'éponge là. Quand je disais hier, non, en fait, non, c'est. Je l'ai fait aujourd'hui le jeu. La suite. Donc, cette suite là, de Bob l'éponge, je vous la mettrai aussi. Donc je la mettrai pour vendredi, donc là on est mercredi, je la mettrai dans le jour, pour, avant ça je vais mettre les autres. Donc là c'est, je vais faire une vidéo par jour, c'est pour ça que je fais ça. Donc là pour que je détruise ça, pour pas que les ennemis reviennent, voilà. Donc là-bas, la caisse. Donc j'espère que ça vous a plu, je mettrai l'épisode 4. Ce que je suis en train de faire en ce moment, les 4 en fait, l'épisode 4 et 4, la suite. Donc il y a deux vidéos sur l'épisode 4. Parce que je voulais pas trop faire trop long, parce que sinon c'est YouTube qui va être trop long. Donc voilà, là je saute, voilà, là j'atterris sur le truc. Voilà. Bon, là je vais pas récupérer la pièce maintenant. Je la prendrai après, quand je reviendrai. Voilà, je vais casser ça. Donc, à la base, c'est pas à moi de le faire celui-là, je crois. Attendez, je récupère tout ce qu'il y a à récupérer. Voilà. Donc, là, ça fait déjà 2 minutes de jeu. Ah oui, non, si, c'est moi qui dois le faire ici. Ok. Donc là, je dois m'agripper ici. Oh, c'est facile. Hop là. Donc, là, je dois détruire... les cibles, essayer de récupérer aussi les sous-sous dans la papoche. Donc voilà, hop, tac. Donc là, faut faire gaffe à la vapeur qui sort des trois côtés. Donc je vous conseille de pas toucher la vapeur, donc au mid. Voilà, et voilà, c'est fini. Donc là, vous avez le droit d'appuyer triangle pour avoir la pièce. Donc là, je voulais récupérer quand même la dernière pièce, mais bon, j'ai pas confiance. Voilà. Donc là je me suis fait toucher une fois, je sais pas à quel moment. Donc là je vais récupérer sûrement le pâté crabe. Je vais le récupérer, ouais, de toute façon j'ai pas le choix. Et là je reprends le téléporteur de vie. Donc là, ah oui, là je vais me soigner, donc non. Ah oui, donc là comme je vous ai dit, faut récupérer les pièces. J'en suis déjà à 2 sur 6. Et les premières pièces en fait, je sais pas si vous l'avez déjà dit sur les vidéos, les premières pièces c'est la mission en fait, la campagne en fait. Donc dès que vous avez la première pièce, bah en fait vous changez de monde en fait. Alors je vous conseille de faire au moins, d'essayer de faire le maximum de pièces avant de prendre la première pièce. Donc la première pièce c'est de finir la mission, disons la campagne. Donc là vous voyez, j'ai mes 3 pièces. Et là je vais récupérer une pièce que vous avez vue tout à l'heure. Donc je vais revenir en arrière. Ou pas. Alors en même temps j'ai sauvegardé. Je crois que j'ai récupéré la pièce de... Ah oui, c'est bon, j'avais récupéré la pièce. J'avais complètement oublié qu'il y avait un téléporteur. Et puis... Donc là faut faire gaffe parce que... Il y en a un peu partout des méchants. Pâté de craps. Hop, là faut attendre. Là faut. C'est chiant ici. Voilà. Voilà. Donc il y a un jeu sur votre côté. Que je vais faire tout de suite. Donc mesdames et messieurs, messieurs et mesdames. Je vais le faire maintenant. Maintenant. Bien sûr. Donc là ça charge. Si j'oublie, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On le dit pas assez souvent. Donc là, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Facebook et puis
tout le tralala. Donc là c'est Patrick, avec Patrick que je suis. Donc je dois aller jusqu'à la pièce en sautant. En fait c'est tout en sautant en fait. Et je crois qu'il y a même un coffre, si vous avez fait bien attention à la vidéo. Mais là je vois pas en fait vu que je suis en train de jouer. Je sais qu'il y a un coffre pas loin. Je pense qu'il y a un coffre, mais je viens juste de voir ça. Donc là, toc, je saute. Hop. Le plus chiant c'est quand vous sautez sur la glace. Vous avez, comment ça? C'est pas des glaces, c'est des. Oh, je sais plus c'est des quoi en fait. Des glaçons. Ouais, on va les appeler les glaçons. Ouais, des glaçons. C'est le plus chiant parce que le glaçon en fait ça fond. C'est comme une glace. Donc là, ça c'est mes préférés celui-là. Ouais, je vois, il y en a que. Ils arrivent pas à gérer ça, mais moi j'arrive à gérer cela. Mais j'aime pas ceux qui vont trop rapide, qui tournent mais trop rapide en fait. J'aime bien qu'ils tournent, soit qu'ils tournent, vous allez voir, je vais monter dessus. Attendez, si j'en trouve un. Ah là, juste devant moi. Hop, tac. Oh, j'adore celui-là. Ça encore, ça va, ça peut passer. Hop, je prends mon temps. Tac. Hop. Par contre, on a le temps. Hein. Il me reste 2 minutes. 2 minutes 39, 38, 37, 36. Donc là, c'est ça que je vous ai dit. Ça me saoule. C'est pas un truc, c'est pas. Et en plus, c'est pas les petits jeux comme ça. C'est pas moi qui les fais à la base. C'est mon frère, mon grand frère. Parce qu'on l'a fini ensemble intégral à l'époque. Et voilà. Donc voilà. Donc là, j'ai une autre pièce cachée. Parce qu'en fait, quand je dis cachée, c'est parce qu'en fait, il faut aller au jeu pour que le jeu soit pas caché en fait. Vous voyez, un point d'interrogation. Si je parle trop vite, n'hésitez pas à mettre pause. Parce que je parle vraiment très vite et ça me plaît beaucoup de parler très vite. Je déconne. Donc là, on va continuer. Donc j'ai fini de récupérer la pièce. J'ai fini un petit jeu. Donc voilà. Donc là, il y a encore les ennemis qui sont revenus. Je vois pas pourquoi ils sont revenus. Donc voilà. Tac, lui il faut le tuer deux fois. Toucher deux fois plutôt. Faut pas le tuer deux fois. Voilà, là on aura un combo. Donc, voilà, je récupère un truc. Hop, tac, ça va exploser. Il a réussi à me toucher quand même. Ah. Voilà, c'est fait. Bah, maintenant il faut éliminer tous les ennemis qui ont. Maintenant que j'ai détruit leur. Comment on peut dire en fait? Je sais pas c'est quoi, il n'existe pas en fait. Je sais que les ennemis sortent de là-dedans, mais ça nous dit pas ce que c'est. Ça nous dit pas aussi c'est quoi comme ennemi ça. Voilà, donc hop, je saute. Je sais pas pourquoi les pièces sont pas venues vers moi. Hop. Voilà. Bon, je vais aller d'un côté et puis après de l'autre pour finir le jeu. Donc là, y a un jeu, c'est pour Patrick. Mais j'ai Bob l'éponge sur mon re, autant y aller. Mais là, bah alors, qu'est-ce qui se passe, hein? Ah bah oui, c'est vrai que c'est pour Patrick. Je me doute bien. Ouais, je vais essayer de passer de l'autre côté. Non, d'accord. Attends, comment on va faire? Ok, je vais retenter un truc. Ouais, non. Ok. Ah ouais, mais il me reste une vie, autant mourir, c'est pas grave, je reviens ici. Voilà, et cette fois je vais passer aux choses sérieuses que le deal. Donc là je vais tenter un truc. Passer sans Patrick. Donc là il me reste une pièce avant la dernière pièce du jeu. Donc vas-y. Voilà, donc déjà j'améliore ma santé, comme ça au moins je suis sûr que quand je saute dans le vide, au moins je perds peut-être quoi, je perds un pâté. Là j'améliore Patrick. Ou pas. Ah d'accord, j'ai plus de points. Ok, c'est un peu compliqué en fait. Hop, tac, tac. Voilà, je crois que je me suis tapé. Je sais pas si j'avais tous mes pâtés, j'ai pas fait attention. Moi c'est pas vrai. Donc non, c'est Patrick qui le fait. Hein. Donc, alors, c'est parti, là je saute. Hop. Let's go. Donc la pièce elle est au fond. On se doute bien qu'il allait au fond cette pièce. Hein. Voilà. Donc là, ça fait 10 minutes.
les minutes des vidéos. C'est bien. Maintenant ça devrait finir à 13. Si je compte bien entendu les secondes de mon générique. Oh, un peu plus j'ai. Je me suis fait toucher quand même. Heureusement que j'ai eu un pâté avant. Voilà. La pièce elle est là. Hop, j'ouvre en même temps là. Je récupère la pièce, voilà. Donc là je vais finir la partie, puis voilà. Voilà pour le quatrième épisode, la suite. La deuxième suite. La suite 2. Voilà, ce sera le titre, on va dire. Bon, ce sera joueur gamer. Bob l'éponge, je pense. Bob l'éponge, partie 4. Non, épisode 4, partie 2. Je vais marquer que ça comme ça. Ça, c'était pas prévu. Donc, ok. Vous avez regretté de m'avoir touché. C'est pas grave. Ah, oui, donc, vous voyez la petite caisse en face de moi. Bah, c'est là où il y a Patrick. Là, c'est là où on prend Patrick, je vais vous faire montrer. Une petite démonstration. Hop, mais je vais reprendre Bob l'éponge juste derrière. Donc, hop, tac. Donc, j'espère que. Je sais pas, vous comprenez. Ils ont pas les mêmes capacités. C'est ça qui est bien. Ils ont des capacités différentes, tous les deux en fait. C'est intéressant. Donc, hop, tac. Donc, si je veux trop vite, si. Dans le jeu, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous connaissez vraiment par cœur le jeu, que j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas aussi. N'hésitez pas à me dire bonjour de temps en temps. Ça me. Voilà, c'est fait. Donc. Bon, voilà. Hop, donc eux, ils vont prendre cher. Voilà, je les écrase. Donc, sur ce, on se revoit pour le cinquième épisode. Le cinquième épisode, ce sera dans une baignoire. Je sais, c'est bizarre. Dans une baignoire en train de descendre sûrement des vallées. Je sais plus trop. Je sais plus trop en fait. Je sais que c'est dans une baignoire. Le prochain épisode. Et voilà. Donc, à plus. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.